m'as donné. J'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais demandé sur Instagram si vous voulez une vidéo recette ou une vidéo astuce. Et ça a été très 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 serré, donc 57 je crois pour astuce. Et donc 43 pour recette, je crois. Je fais la vidéo astuce parce que pour le moment il fait chaud, donc c'est difficile de rester à l'intérieur, de rester au frais la journée et de pouvoir dormir avec une chaleur comme ça. Donc je vais vous partager mes astuces. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Première astuce pour la journée, je vais vous dire de fermer vos rideaux, fermer vos volets, fermer les fenêtres, les portes, etc. pour garder la fraîcheur de votre maison et pour éviter que le soleil rentre et réchauffe votre maison. Deuxième astuce que j'ai à vous proposer, c'est boire beaucoup d'eau. Je sais que c'est difficile pour certaines personnes, comme moi, je déteste boire d'eau, mais je vais vous dire de boire un grand verre d'eau toutes les heures, au moins un grand verre d'eau toutes les heures, parce que à peu près 4 verres d'eau, on est à peu près 1 litre d'eau, et j'essaye de me motiver comme ça. Donc essayez de boire un verre d'eau au moins toutes les heures, parce qu'une fois qu'on commence à avoir soif, c'est qu'on est déshydraté, donc il faut éviter d'arriver au stade j'ai soif. Donc essayez de boire, surtout donnez beaucoup d'eau à des personnes âgées ou à des enfants, parce que eux ils ne savent pas quand ils ont faim, ou alors ils ne ressentent plus le besoin de boire. Donc essayez de donner beaucoup d'eau à ces aux enfants ou aux personnes âgées. Donc ça, et puis aussi je vais vous dire de boire des boissons chaudes. Préférez les boissons chaudes parce que vous allez trouver ça dead, mais une boisson froide, c'est vrai, une fois qu'on a chaud et qu'on boit une boisson froide, on se sent beaucoup mieux d'un coup, mais ça va durer 10 voire 15 minutes grand max, et puis après on va avoir de nouveau chaud. Tandis que si on boit des boissons chaudes comme du thé chaud, etc., et ben ça va diminuer la température de notre corps et on va avoir beaucoup moins chaud pendant plus longtemps. Donc, c'est pour ça que dans des autres pays ils boivent du thé, etc., et qu'ils ont pas chaud. Donc voilà. Troisième astuce, je vais vous dire d'éviter d'aller dehors. Donc si vous devez vraiment aller dehors, préférez aller dehors le matin avant que le soleil se lève, ou alors le soir après que le soleil se couche, parce que ben, il fait chaud, donc évitez vraiment d'aller au soleil. Et si vous devez aller au soleil ou que vous devez aussi aller avec vos enfants, protégez-les et protégez-vous. Mettez de la crème solaire, mettez des lunettes de soleil, un chapeau ou une casquette, un t-shirt et un short, n'importe quoi. Mais couvrez-vous et protégez-vous. Surtout évitez d'aller vraiment au soleil de 11h30 jusqu'à 2h30, 3h grand max, parce que c'est là où le soleil il tape le plus fort et qui chauffe le plus fort surtout. Donc franchement évitez vraiment d'aller pendant ces heures là et dites-vous que c'est pas parce que vous êtes en dessous du parasol, que vous êtes à l'ombre, que vous n'allez pas avoir une insolation, etc. Parce que l'air est très chaud, donc vous pouvez aussi avoir une insolation avec l'air. Donc protégez-vous. Donc cinquième astuce, je vais vous dire de porter des vêtements légers, et pour les enfants, s'ils sont propres, tout nus, ou s'ils sont pas propres, mettez-le à l'ange, mais juste à l'ange, si c'est à la maison, hein, bien sûr, si c'est dehors, essayez de découvrir. Donc essayez de les déshabiller à un max quand vous êtes chez vous. Donc voilà. Maintenant on va passer aux astuces pour la nuit. Donc première astuce que j'ai à vous dire, c'est de boire encore un grand verre d'eau avant d'aller dormir.
va diminuer la température de votre corps. Et puis deuxième astuce que j'ai à vous dire, c'est de humidifier un essuie ou un vêtement pour le mettre derrière votre nuque et vous le gardez jusqu'à temps que vous allez dormir, et ça va diminuer aussi la température de votre corps. Troisième astuce que j'ai à vous dire, c'est que le ventilateur, c'est très chouette, mais s'il fait chaud dans votre pièce, le ventilateur va vous renvoyer de l'air chaud. Et nous, on recherche de l'air froid. Donc, vous stoppez votre ventilateur, vous mettez fixe pour pas qu'il tourne, et vous accrochez derrière une bouteille que vous avez mis au congélateur ou une bouteille très froide que vous avez mis dans votre frigo, et vous l'accrochez. Et ça va permettre au ventilateur d'avoir de l'air froid et vous rejetez de l'air froid. Donc si vous mettez un truc en dessous pour pas que ça colle, au pire, mais ça va nous renvoyer de l'air froid. Par contre, désolé si vous entendez le ventilateur également, mais il fait chaud. Donc quatrième astuce que j'ai à vous donner pour la nuit, c'est de dormir avec une couverture. Pas une couverture, mais par exemple, je sais pas, un drap de lit, ouais, un drap de lit, mais très fin, hein, bien sûr, mais comme ça va vous permettre de, si c'est vrai que c'est pas propre, mais si vous transpirez, que la transpiration reste dans le drap de lit et vous aurez moins chaud. Cinquième astuce, vous allez trouver ça bizarre, mais je vais vous dire de dormir avec un pyjama. Pour la simple raison, c'est que on transpire la nuit, et surtout quand il fait chaud, on transpire plus. Donc le vêtement de notre pyjama va retenir la transpiration et on va avoir moins chaud. Tandis que si on dort nu et qu'on n'a pas de vêtement qui peut retenir la transpiration, ben, on va avoir plus chaud. Sixième astuce que j'ai à vous donner, c'est de mettre un linge humide ou un essuie par-dessus le ventilateur. Ça va faire la même chose que la bouteille, ça va nous renvoyer de l'air frais. Donc voilà, vous le mettez par-dessus, tout simplement. Vous l'accrochez au-dessus ou en dessous ou tout autour, tout simplement. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, comme ça je regarderai, parce que moi aussi c'est toujours une galère pour pas avoir chaud la journée, pour pas avoir chaud la nuit, pour pouvoir dormir la nuit, parce que quand il fait chaud, j'arrive pas à dormir. Donc n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires et moi je regarderai, et surtout pour toi aussi, les autres abonnés pourront regarder. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez très bien, lâchez un max de pouces en l'air, à me le dire dans les commentaires si vous aimez bien la vidéo, si vous aimez bien ce style de vidéo, si vous voulez que je fasse une autre vidéo. Et puis surtout aussi, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos, il y a des choses pour vous, donc n'hésitez pas à aller voir, à partager la vidéo si ça vous plaît, et si vous avez envie, à aussi vous abonner à ma chaîne et mes réseaux sociaux, et surtout à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout portez-vous bien, bye.